Avant, le Premier ministre est allé devant les Nations Unies et côté le TALF présenté le dossier Haïti. Et je dis à Lionel de Matap pour retourner sur le dossier ça pour nous, côté le Parlement, faire une temps d'intervention. Et Hélène Lalim, qui est représentant secrétaire général de l'OEA et l'ONU en Haïti, dit pour faire une temps de déclaration des États-Unis fait sur la situation en Haïti tout pendant et rencontre ça que le Premier ministre a participé. Elle a fait des positions pour le Premier ministre qui lui-même. Kevin, ils sont de rappel et Dr. Claude Joseph Tevin fait pour te rappeler la communauté internationale, pas oublier l'engagement que tu fais, que tu prends pour te bâtir l'argent pour te faire élection, etc. Et qu'il dit bien quoi que Haïti connaît, il y a cherché près de 17 millions de dollars pour organiser. Mais le Premier ministre a toujours insisté sur la question référendum, non, que la communauté internationale apparemment pas trop intéressé parce que même Nations Unies, même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même dit que tout référendum qui a été fait, Kounia là, ça parle d'un impact sur le déroulement de l'élection et que nous connaissons que la communauté internationale en particulier. En particulier les États-Unis, ils n'ont même pas de référendum, ils voulaient que Haïti organise l'élection en 2021. Bien que gagné un participant dans un compte là qui dit que et en parlé de Udiko, mettre Udiko, et bien il a dit que le pas que et bah terrain par rapport puisse pour que gagne l'élection actuellement. En fait, c'est même appel ça tout que l'opposition tout dit que pas les conditions pas réunies pour que l'élection déroule dans le pays. Mais communauté nationale à la tête face de l'élection est toujours possible pour que l'élection organise dans le pays en façon que il y a une transition démocratique faite pour un président élu remettre pouvoir à un président élu. C'est-à-dire que pour le président Jovenel Moïse remettre pouvoir 7 février 2022 à un président élu. Donc nous-mêmes nous faisons que attendre et regarder. Mais je dis à nous, nous déjà dépassé mi-juin. Donc, pour qu'on gagne un calendrier électoral qui est publié, pour qu'on une loi électorale, pour qu'on gagne un conseil électoral, pour qu'on publie date tout bas, ça, à cause de l'envoi date référendum, non. Mais le conseil a dit qu'il y avait un problème. Il a préparé ni pour référendum, ni pour élection. Donc, dans le rapport président Jovenel Moïse Boublia, mais il était dit que il était des populations, la communauté internationale, là, il demande de supporter la police nationale là. Nous, on est capable son moment très difficile, qui n'est pas capable. On fait une sécurité, n'est pas presque prend contrôle de la capitale là. Et le directeur de la police nationale là, on a parlé de Léon Charles, et bien, monsieur dit que Negame a traversé une ligne rouge, il avait demandé pour que la police a serré les rangs pour que soit capable tracté bandit Negameo juste dans le dernier côté à caché pour aller dénicher. En tout cas, ça n'a pas qu'on fait parce que la police a mené l'opération, c'est vrai, et dans ces deux zones, mais monsieur Améo, en attendant tout, il contrôle dans ces deux zones, il y a l'autre zone que les policiers sont capables de traverser. Nous avons correspondant à nous, Exercice Meyer Jena, qui a apporté nous tout depuis Ville Gonaïve. Et gagné Negra Botoyo, monsieur qui est responsable de brigade vigilance, pour veiller Negra Cap rentrer dans bidonville là, Negra Amé en civil. Et bien pendant 3 jours là, Negra Amé, monsieur, deux policiers, deux Negra Amé, deux Negra Amé, mais Negra était des policiers, et bien Mario, et puis. Il y a eu un constat, mais maintenant, il y a eu un peu de temps. C'est policier, mais il y a eu un civil, il y a eu armé. Donc, ça, c'est l'exercice général à apporter au point ça pour nous. Il y a tout dans notre situation, tout côté que, par exemple, les amis ou bien les gens pas identifiés, inconnus, mais ils dit fait dans un camp qui était des gens handicapés là-dedans. Il y a des gens, ça, les gens bébés, les gens qui ont des difficultés pour un peu parler. Donc, les gens, ça, c'est un terrain où les sous-pistes. Sous-pistes, ça, c'est un terrain côté ancien aviation militaire à terre. Et mais c'est là que depuis pratiquement 12 janvier, mon groupe qui était en refuge là, et bien, et nous avons allé au crash, tout le monde dit fait là, donc les gens qui savent qui bébé obligé de chasser refuge de l'autre côté, et pas seulement les gens qui ont des problèmes pour parler, mais qui ont l'autre handicap, tout en l'autre handicap et tout, qui est obligé de chercher refuge de l'autre côté. Au bout de ça, Mathieu Dovin, mais apporter pour nous.
Et puis, il y a un correspondant tout, et notre Saint-Tou qui touchait pour nous avec l'autre problème qui vient. Nous connaissons le fait que Negameo contrôlé entre sud, entre et sorti sud capitale là, et bien, empêcher que gaz rentre vite dans la capitale, la machine pas venir porter et venir approvisionner pour un gazolinio, et bien, ça crée une sorte de raté. Nous connaissons que gazolinio sont produits transversal, et bien, il y a un impact quand même sur produits pour nécessité, et il parle gain quand même, laisse arriver. Donc, c'est tout un problème que Renato Seng est font tu parler de nous pour montrer nous et handicap et problème que ça a posé. Depuis le week-end là, il y a un marché Titoni et que encore le segment de la population, un pillage qui a fait dans tout lancé des magasins, dépôts, magasins, dépôts, manger qui ont lancé des zones en bas de la ville là, et bien, on a pillé, c'est pillé, à poter, on a boire sur les réseaux sociaux, on a poté sac d'iri. Gardez sac d'iri, moi, on peut peut-être, si tu demandes dans la réalité, poté sac d'iri, ça, vous avez dit, vous avez dit, alors que vous avez dit, et ça va être tellement bien organisé, il y a des gens qui viennent à bourrette, qui prennent, ils prennent tout ça, ils viennent. Et jusqu'à hier, dimanche, toujours, opération, ça, l'été continue toujours. Donc, président Jovenel Moïse, dans l'occasion, dans le petit palais, il a fait un demande au premier ministre, là, pour que lui-même, il était chez palais, il s'est contacté, et, moun qui est victime, on a parlé de, homme d'avec victime, lui-même, il dit, c'est un entrepreneur, lui-même, il compte ça, ça veut dire, leur investi l'argent, non, côté improvis, nous, dépôt vide, parce que mon pied li, comment s'en sou, et bien, il m'a dit pour le ministre pour que je travaille avec les victimes pour que très certainement je capable d'encourager, faire un jeune prêt, prêter l'argent prêté dans BNC, donc c'est Banque Nationale de Crédit. Donc, c'est alors président Jovenel Moïse qui a parlé dans la conversation que le gagné, ou bien qui a parlé avec le peuple là, et bien, il a demandé la communauté internationale là, il a demandé tout secteur acteur qui concerne eux, parce qu'il dit, depuis ça, il y a presque de 20 ans, on a pu combattre la sécurité, il n'y a pas de résultat que tout le monde a cherché là. Même lui, tout qu'il mettait sous pied en commission et désarmement et insertion, il n'y a pas de résultat que le bas là. Et on l'a reconti la paix, et puis après, bah là, il y a toujours demandé à ce que tout le monde soit ensemble pour aider le combat phénomène de sécurité. Qui c'est une condition, si nous voulons, si n'a pas eu d'élection, il faut qu'il y ait une condition, ça, condition sécurité, pour que la condition sécurité, les deux là, ils ont en place pour qu'on soit capable qu'il y ait une élection. Donc, il demandait à ce que tout secteur, vous avez dit, lance un appel, bah, monsieur, à mes capsimés à terre, pour dire que la vie n'est pas longue. L'on choisit, c'est ça qu'on choisit pour faire comme activité, ben, il dit la vie pas longue. Et les cités non bonnes, qui sont les têtes de série, il dit que c'est ça, côté, il n'y a pas là. Les cités non graines sont nées, les cités non paquettes, non bandits, petits couteaux et 26 couteaux. En fait, non échappé, moi, mais les cités paquettes, non que nous-mêmes, nous avons connu, qui étaient qu'on a simé la terre et dans la capitale là. Laisse assister à n'importe quoi, si tu as tellement de mouvements améliorés, eh bien, les cités nous ont dit, écoutez, je dis, je ne vais pas réaliser, mais nous-mêmes, si nous pas convertis, changer de métier, eh bien, c'est même ça qui est réservé à M. Sayo, parce qu'il dit que la nègre a mis pas qu'à remplacer la force publique. Donc, ça veut dire que les mains des policiers peuvent serrer les rangs pour marcher sur les améliorés, puis rétablir la paix encore. N'attend pour moi si appel ça à lancer. Ensuite, pour concerner les déplacés, et président, bon, c'est la première fois qu'un chef de l'État a parlé. Depuis le sabbat passé, la première fois qu'une autorité replacée qui a dit ces questions publiquement, et bien, il demande pour que le ministère des Affaires sociales, le programme FAES, pour que tout travaille ensemble, pour que la police là tout avance ensemble pour qu'aller rétablir et la paix côté communauté sociale pour permettre que communauté sociale retourne vivre dans la communauté côté TIA au lieu que puis vivre dans des camps de refuge par exemple quelqu'un refuge dans l'église ou bien encore sur place publique ou bien encore dans un centre sportif là et bien tout le monde sait que il faut que les conditions de travail pour que ça permette de retourner et la caille ça c'est en partie et dans la déclaration que le président Jovenel Moïse fait que nous avons des chances pour nous présenter tout dans le programme radio sur télévision après-midi. Nous avons que Jacques Belizère en vacances. Donc, je prends un bon petit temps là et je suis en juillet. Et pendant le temps que je ne suis pas là, si
grand maître là et souhaiter lui et c'est moi même qui censé à Pékin pour lui et puis oui et puis bon pratiquement et me parler de Matado et puis gagner et puis me qui ont marché à ici fait dans New York et vendredi passé côté table dénoncé et support communauté national la baille et administration journal Maurice là et donc table dénoncé ça qui a passé à tout insécurité tout bail ça nous va gagner un rapport ou bien une sorte de évaluation de massa que Haïtien a fait devant les Nations Unies, c'est va avec invité nous, Sabine Philippe, qui c'est un membre du comité organisateur qui va parler nous un petit peu de attention de massa, qui c'est deuxième parce qu'il a fait un match déjà 18 mai dans Washington DC, quand il était allé devant la Maison Blanche, c'était un message et que il était bail, et bien, face à elle devant les Nations Unies, 18 juin, dans Paris devant. Vendredi passé, et bien là encore été délivré encore, ils ont mis ça encore par les responsables des Nations Unies. Donc, pratiquement c'est ça, et puis un petit spot petit pour moi, avant de quitter le matin, que moi, pas ici à DC United. Sous ces mondes, il y a l'autre monde qui monte là, il y a Gada qui monte là, il y a l'autre qui branche son côté, il y a Bessier qui branche là. Gen Kassindi ki banche, Jean Hilaire ki banche, ben yon ale. Abdou ki actualité internationale la, d'abord c'est retombé et sommet président Joe Biden de gen avec président Ursula Vladimir Poutine. Et ben, nous toujours attendons de retomber à quand même le conseil entier fait quand même. En Iran, gen un nouveau président. Et ben, nouveau président, M. Deha, et lancé appel. By président Biden pour le dire monsieur pour le dire pour retourner sur table négociation soit fait conflit qui gagne sous armes nucléaires iranien après que l'Iran t'a quitté et accord nucléaire 2015 là en 2018 après président ancien président Donald Trump t'a retiré États-Unis accord et puis il t'a imposé sanctions contre l'Iran donc il a retourné Konya et depuis avril passé gagne une négociation qu'a fait sans participation directe les États-Unis. Donc il y a 5 autres pays qui sont censés 5 ambassades d'autres pays qui sont censés eux-mêmes participer dans la négociation hein, et qui négocier avec l'Iran. Mais aujourd'hui ça c'est ouais qui est pour retourner l'Iran encore dans l'accord nucléaire ça soit et puis ouais pour l'Iran et puis en retour pour le apaiser sanctions qui sont dans l'Iran. Et mais il a dit lui-même, bon, nouveau président dit lui-même, il n'y a pas un plan actuellement, parce que lui, il y a une élection qui fait là. Il dit qu'il n'y a pas un plan pour lui rencontrer avec le président Joe Biden. C'est ça qui est la première déclaration qu'il fait. Il n'y a pas un plan pour rencontrer Joe Biden, mais il encourage les États-Unis pour retourner dans l'accord nucléaire. Mais il a tout dit que lui-même, le programme nucléaire, l'objectif du programme nucléaire, c'est pour la paix. De pas bail pour ni n'en fait des ordres ni n'en bail. Contrairement à ça que la communauté internationale a dit, par exemple, la Russie et les États-Unis, dans le sommet dernièrement, ils étaient d'accord, ils étaient parlé, ils nécessitaient plus de pays d'accord, travailler ensemble, pour aller dans quelle mesure, quand même, empêcher que l'Iran ait accès à nos armes nucléaires. Voilà.